debout. Les Français sont très patients. Ouais, c'est parfait, quelle passe de Pasquier. Pour l'arrivée en débordement, il va aller au bout pour l'arrivée. Magnifique. Le capitaine français qui va permettre à son équipe d'ouvrir le score brillamment après un essai de 80 mètres, Jean-Baptiste. Ah, mais surtout, quelle patience. On voit 5-30. Il y a une 20 de phase de jeu. Notamment ça, ce geste de Pasquier, sur lequel, grâce à un offload, il arrive à prendre deux défenseurs pour libérer l'espace pour Paulin Riva. Varian Pasquier, un joueur qui monte actuellement dans le 7 français. Stéphane Parez, c'est bien joué pour Varian Pasquier. Ouais, Paulin Riva. Et c'est faux, ça va aller au bout. C'est faux. Avec c'est faux. Jordan c'est faux qui marque ce deuxième essai français. Et il a décalé Riva tout à l'heure et là, il a failli se faire laisser tout seul. Turner qui est là, deuxième petite. Il a essayé. Allez, 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 Ryan Rebadge. Il faut y aller. La fin de passe. Eh oui, oui, le retour intérieur pour Varian Pasquier qui vient inscrire le troisième essai français. Voilà qui est bien. Évidemment, alors, beau travail de Rebadge qui va fixer le joueur. Mais quelle a bien mise au sol par Varian Pasquier. Ouais. Parez qui récupère ce ballon, c'est bien joué. Encore la chistera pour Jordan Seyfo. Il faut marquer Jordan. Allez, il est à 1 contre 1, est-ce qu'il va attendre? Non, il réaccélère, c'est bien joué pour déposer le dernier défenseur australien et aller inscrire le 4e essai français, Jean-Baptiste. Ouais, quelle machine de guerre, Jordan Seyfo. Et là, la double accélération de Seyfo qui va mystifier la défense australienne. Et JP Barak, avec qui vous avez joué à Biarritz. Et le retour pour Théo Forner, lui aussi qui fait son retour dans le 7 de France. Exactement, lui aussi un très gros talent français qui a brillé de mille feux hein, sur les circuits aussi à 7. Qui libère les bras et bien sûr qui permet à Théo Forner de scorer. On aime jouer debout, c'est la marque de fabrique de cette équipe française. Avec, oh là là, ce Nelson Épé. Ah, c'est bien joué, ce ballon qui ressort. Ah, il faut attaquer, bien sûr. Il est passé. Bien sûr. C'est Mazzoleni. France qui met de la vitesse, qui passe les bras. À l'image des Fidji, la France est dans le coup. Ouais.